There are no two ways. Il n'y a pas deux voies. I'm talking to you in parable. Je parle à vous en parabole. Write down my words. Prenez note de mes paroles. And follow up. Et poursuivez-les. The year 2020. Cette année 2020. God is going to restore and to reconcile many broken relationships. Jésus va restaurer et va réconcilier beaucoup de relations brisées. Now, maintenant, for us here, pour nous ici, moi, if you see me as a man of God, can I see your hand? Si vous me voyez comme un homme de Dieu, est-ce que je peux voir vos mains? Thank you. Merci. I am going to receive stiff opposition. Alors, je vais recevoir une opposition ferme. And the church. Et ton église is going to be known all over the world. Va être connu partout dans le monde. The church should stand together with the prophets. Les églises doivent tenir ensemble avec les prophètes. To pray. Pour prier. And support not only me, a man of God. Obtain si je n'ai pas obtenu a certificate a degree
Your certificate in the university of honor is questionable. Alors ton certificat dans l'université de l'honneur est questionnable. As believers, the genuineness of our calling, l'humilité de la paix, in whatever field you find yourself, dans chaque domaine dont tu te trouves, must be tested and proven in a real life situation. Doit être testé et prouvé dans la réelle situation de la vie. Let our love for Christ, que notre amour pour Christ, be bigger than our love for people. Soit plus grand que notre amour pour les personnes. The size of the church, la taille de l'église, is not as important as the size of our love. N'est pas aussi important que la taille de notre amour pour Christ. Where in worship, où tu loues, where in fellowship, là où tu loues, it's not important. C'est pas important. The essence of a true church, l'essence de la vraie église, is Christ in you. C'est Jésus-Christ en toi. On the last day, le dernier jour, the question will not be, la question ne sera pas, Madame A, Madame A, Mr. C, Monsieur C, where did you worship? Où est-ce que tu loues? You will never hear that question. Tu n'entendras jamais cette question. The question will not be, la question ne sera pas, are you coming from church A? Est-ce que tu viens de l'église A? Or church B? Ou de l'église B? But, mais, take note. Mais prenez note. The question will be, la question sera, who worship in truth? Qui a loué en vérité et en amour? On the last day, le dernier jour, the church, l'église, will not stand for you. Ne tiendra pas pour vous. I, as a man of God, moi en tant qu'homme, I will not stand for you. Je ne tiendra pas pour vous. Salvation is possible. C'est vrai que le salut est possible. There will be no excuse. Il n'y aura pas d'échappatoire. People of God, de Dieu, 2020, 2020, in humility, en humilité, sincerity, en sincérité, and truth of heart, et en vérité de la let us return to God, et nous retournons en Jésus, and the Holy Bible, et dans la Sainte Bible. When you encounter challenges, quand tu fais face aux défis, as a Christian, en tant que chrétien, look to the cross, regarde vers la croix, where Jesus has paid the price, où Jésus-Christ a payé le prix, for what you need, pour ce que tu veux. No pain. Pas de douleur. No gain. Pas de profit. No test. Pas de test. De no testimony. Pas de test. No humiliation. Pas de limite. No honor. Pas d'honneur. God bless you. Et Dieu vous bénisse. Let's go into the book of 1 Timothy. Let's go into the book of 1 Timothy. And I will give you a brief message titled No Test. No testimony. Et je vais te donner un petit message intitulé pas de test, pas de témoignage. Alléluia. 1 Timothy. I endured, yet the Lord rescued me from them all. Hallelujah. Au temps où il viendra pour être glorifié et pour à propos de ses saints, pour être considéré avec étonnement, et ce jour-là, à propos de tous ceux qui ont exercé la foi. Because of time, I quickly take the book of James, chapter 1, verse 2. À cause de temps, on prend le livre de Jean, chapitre 1. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Hallelujah. Amen. From the Bible passage, you will agree with me that as Christians, the genuineness of our faith must be tested and proven in a real life situation.
Alors l'accomplissement de notre foi doit être prouvé et testé dans les vraies situations de la vie. It may be humiliation. Ça peut être l'humiliation. Maybe calling. Ça peut être les noms. Intimidation. Ça peut être l'intimidation. Comment? Ça peut être les envy. L'envie. Jealousy. La jalousie. Biting. La médisance. And hatred. Et la haine. As a Christian. En tant que chrétien. Your faith. Ta foi. Must be tested in a furnace of humiliation, hardship, and poverty. Ta foi peut être testée dans l'humiliation, dans la difficulté et dans l'humilité. Let the testing of your faith draw you closer to God, not further away from God. Laisse que le fait que ta foi soit testée te rapproche de Dieu et non t'éloigne de lui. Champions of faith. Les champions de la foi. Throughout the Bible, from Genesis to Revelation. Dans la Bible, à travers des Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Have their names soiled. Ont eu le nom appelé. Soiled and stained. Ont eu le nom vendu. Slanderous accusations. Et des accusations fausses. Lies telling. Et des mensonges. Blackmail. Et des noms noircis. Backbiting. Et des médisances. Jealousy and envy. Et l'envie et la jalousie. Has come against them. Est venu contre eux. But their focus was never broken. Mais leur focalisation n'a jamais été brisée. Daniel was accused. Daniel a été accusé. Of breaking the law of the land. D'avoir brisé les lois de la terre. And he was forcefully pushed into the lion's den. Et il a été consciemment poussé dans la fosse au lion. And his faith in Christ Jesus. Et sa foi en Jésus-Christ. Turned the hungry and desperate lions into pets. A fait en sorte que les lions qui étaient affamés sont devenus apaisés. Joseph was accused. Et Joseph aussi a été abusé. Of sleeping with his employer's wife. D'avoir couché avec la femme de son frère. And was seized. Et il a été enlevé. And locked up in a prison. Il est enfermé dans une prison. But the enemies were unable to take him out of the presence of God. Mais les ennemis étaient incapables de le prendre hors de la présence de Dieu. Paul and Silas were accused. Paul et Silas ont été accusés. Of arousing mobs. D'avoir utilisé des mots. Through hatred. Les mots de colère. And division among religious people. Et la division contre les gens religieux. And they were locked up into prison. Ils ont été aussi enfermés en prison. Their condition isn't of depriving from worshiping God. Et leur condition, au lieu qu'ils s'allaient loin de louer Dieu, produces an atmosphere of belief as they were praising God. Ça a plutôt produit une atmosphère de croyance, ils ont plutôt loué Dieu. And the prison gates opened. Et les portails de la prison se sont ouverts. And their chains became loose. Et les chaînes étaient brisées. Today, your prison gate will be opened. Les portes sont ouvertes. I prophesy to your life. Je prophétise à ta vie. Today, aujourd'hui, your prison gates. Tes portes seront ouvertes. And they came out from prison. Et ils sont sortis de la prison. I want you to know that. J'aimerais que tu saches. Even Jesus Christ. Même Jésus Christ. Our Lord and personal Savior. Notre Seigneur et Sauveur personnel. Was abused. A été abusé. He knew that his accusers were simply ignorant, étaient juste des ignorants, arrogant, étaient des arrogants, and unlearned. Et pas éduqués. He knew that his accusers were simply afraid of him. Avaient juste peur de lui. What people don't know, ce que les gens ne connaissent pas, they call names. Ils appellent, ils nomment des noms. What people know, ce que les gens connaissent, they destroy. Ils détruisent. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 24, chapitre 2, verset 12 à 12, they accused Jesus Christ of being possessed with demons. Ils ont accusé Jésus-Christ d'être possédé. And Jesus never stopped casting out devils. Et Jésus-Christ n'a pas arrêté de chasser les démons. He never allowed the accusation to change his direction. Il n'a pas permis que la position change de sa direction. He stayed fast to the cross. Il a regardé vers la croix. Paid the price. Il a payé le prix. For our salvation. Pour notre salut. Jesus Christ sacrificed his life. Jésus-Christ a sacrifié sa vie. His comfort. Son confort. His peace. Sa paix. His wealth. Son amour. His pain. Sa foi. To serve you and I. Pour te servir toi et moi. What then can it profit me if I gain the whole world and lose my soul without Christ? Qu'est-ce que je profiterai de gagner le monde entier et de perdre mon âme en Christ? What then can it profit you to destroy your fellow man, your fellow neighbor?
est-ce que tu gagneras à détruire ton voisin? You can destroy your neighbor. Tu peux détruire ton voisin. But you cannot destroy his spirit. Mais tu ne peux pas détruire son esprit. The battle you fight. La bataille que tu combats. Is not flesh and blood. Ce n'est pas la chair et le sang. Spirit to spirit. Mais l'esprit est esprit. I am more comfortable. Je ne suis pas confortable. When I walk in the spirit. Quand je marche en esprit. Today. Aujourd'hui. The spirit of God descend upon me. L'esprit de Dieu descend sur vous. The challenges we face every day. Les défis que vous faites face tous les jours. Our weapons of warfare push to us. Sont les armes que nous sommes qui nous ont été envoyés. By Satan. Par Satan. Therefore, et cela. Let us direct the battle to Satan. Il faut que nous dirigeons cette bataille en envoyant à Satan et pas sur l'homme. Tell your neighbor, direct the battle. Dis à ton voisin, dirige cette bataille. Direct the battle. Dirige cette bataille. To Satan. À Satan. Our common enemy. To be loved and admired. But your enemies and critics will never leave your reputation on stage and on Spanish. Enemies of progress are everywhere. As a believer, you must rise above that fire. Tu vas te lever au-dessus de cela. The fact le fait that everyone is against you. Does not mean God does not love you. Come on, give your neighbor a handshake. Say never. What is the situation? Let me encourage you. The fact. Le fait. That everyone is against me. Does not mean God does not love you. The fact. Le fait. That everyone is talking about you. Praising you. Does not mean your life is pleasing to God. A mighty man quelqu'un de grand does not mean you make her. We are not happy. Nous ne sommes pas contents. Because we command demons and about us. Parce que nous commandons les démons et nous fassons. We are happy. Nous sommes heureux. When we are sure. Quand nous sommes, nous savons. That if we are called to rest today. Que comme si nous sommes appelés à quitter le monde de ce. We see our name in the book of life. Nous avons pas notre nom dans le livre de la vie. Man's rejection provokes God's direction. Le rejet de l'homme provoque la direction de Dieu. I want you to know that. J'aimerais que vous sachiez. Calamity will come. Les calamités vont venir. Challenges will come. Les défis vont venir. As a Christian, cheer up. En tant que chrétien, sois. Jesus Christ has told us this. Jésus Christ nous a dit cela. We shall be challenged. Nous devons avoir des défis. Oppose. Et cela. But. Mais we shall not be taken away from the communion with the fellowship. Nous ne pouvons pas être pris à part de la communion et avec le suivi. Ask Joseph and he will tell you. Demande à Joseph et il te le dira. His enemies were able to block him out of his home. Ses ennemis étaient capables de le mettre hors de sa force. This is right and is called of many colors. Et puis ils l'ont fait voir de toutes les couleurs. And he was unlawfully locked up into harsh prison cells. Il était constamment enfermé dans les prisons. But they were unable to remove him from the presence of God. Mais le souci sont capables de le retirer de la prison. Every challenge you face. Tout défi dont tu fais face. Will point you to your divine destiny. Va te pointer sur ta destination divine. Tu as juste besoin d'obéir. And the Holy Spirit will come upon you.
Before I end my message, avant que je termine mon message, pray for the church. Priez pour l'église. Where there is no God, là où il n'y a pas Dieu, Satan will triumph. Satan va triompher. Pray for men of God. Priez pour les hommes de Dieu. Pray for every leader. Priez pour tous les leaders. And let us return to God and the Holy Bible. Et retournons à Dieu et à la Sainte Bible. May God bless His word to you. Que le Saint Dieu bénisse ses paroles à vous. Hallelujah. I cannot wait. Je ne peux pas attendre. My body is already. I'm not more here. I'm already over there. Je suis plus ici. Je suis là. Hallelujah. Amen. Can you feel the atmosphere? Alors tu peux ressentir l'atmosphère. The atmosphere is about to change now. L'atmosphère est sur le point de changer maintenant. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, feel the atmosphere. Tu peux ressentir l'atmosphère. The atmosphere is about to change. L'atmosphère est sur le point de changer. Are you there? Est-ce que vous êtes là? Are you there? Est-ce que vous êtes là? We are about to keep the Bible now. Alors maintenant on va garder la Bible. And make it practical. Et puis faire le passer au pratique. The highest thing I can wait to see happen. La plus grande chose que je devrais voir sur mon côté. Is to see the demon leaving you and going away. Ce n'est pas les démons qui vont laisser les passer. Hallelujah. Amen. Rise up. Rise up on your feet. Levez-vous s'il vous plaît. Rise up on your feet. Levez-vous. The hour has come. Le moment est venu. The hour has come. Le moment est venu. It is time. Il est temps. To speak the word with power. De parler la parole avec pouvoir. Open the door of your heart. Alors ouvrez les portes de vos cœurs. It is time to speak the word with authority. Il est temps de parler la parole avec autorité. The power to heal. La parole de guérir. The power to deliver. Le pouvoir de guérir et de délivrer. The power to prophesy. Le pouvoir de prophétiser. The power to bless. Le pouvoir de bénir. And to break every yoke. Et de briser toute joue. Was extended. A été envoyé. Behind the 72 and the 12. Au-delà des 12 et au-delà des 12. The authority. L'autorité. Was given. A été donné. Behind the 72. Au servant des yeux and the 12. Et les 12. Et les 12 et moi. Et ça vous inclut vous et moi. Don't be ashamed. Come out. Alors n'aie pas honte et viens.
This is something that has been happening to you for long. For more than 4 years. You meet with a woman, you pass her blood. So, it is time for you to accept God. Because when I look at you, you are not married. You are not married. So you are committing sin. Are you ready for Christ? You are ready for Christ. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. This one there. This is there. In the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, please there. The angels of God are working on him. Each time he meets with a woman, he passes her blood. It's very dangerous for him. Come closer. In the mighty name of Jesus Christ. Let me put you in a prayer line there. Hallelujah. Amen. You, this lady, stand here. You are smiling, but in your heart, you are crying. Please bear with me. I just need to touch on a few cases before we go into prayer. I'm passing, I see you smiling, but in your heart, you are crying. You are beautiful, but you have a very big challenge. And this has affected your marriage. You are out of marriage. What happened? I don't know. You don't know. Marriage. Le mariage is more than the issue of a baby. Est plus que l'affaire d'avoir un enfant. So where is the man that got married to? Alors où est-ce que toi? You don't know where he is. But I see another man that has been in your life. Je vois d'autres problèmes. You have another man. After this man, there's another man in the world. Has he done the right thing? He's not here with you. He's not here with you. But has he paid the right price? Don't do anything. Bring the person to counseling before you can go into it. If not, the same challenge you face from your husband's side, you will face it again from this man. Come. In the mighty name of Jesus Christ. Open the door, God, and begin to pray. In the name of Jesus Christ. I speak to your womb in the mighty name of Jesus Christ. In the
Christ. All over heaven, you cannot resist this spirit of barrenness. In the name of Jesus Christ. Please, be patient with me. Amen. God's time is the best. In the mind of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. She needs to be untied. Jesus Christ is a pain killer. There's no pain he cannot kill. So I am putting an end to the pain today and an end to the sorrow today. So something is entering now. We need your help.
same family. Yes, even more than father. Glad for Jesus Christ. But I see you with a medical report. Yes. I see a medical report doctor was giving about you. That's why I asked what the doctor said. Yes, where is the report? I have to report to my... Bring it. Come on, come on. Have your seats.